Pierce Brosnan célèbre cette année ses 70 ans. Depuis le milieu des années 90, l'ancien James Bond file le parfait amour avec Killisha Smith. Acteur irlandais en vogue, Pierce Brosnan épouse l'actrice Cassandra Harris en 1980. Divorcée de Dermot Harris, la jeune Australienne ne résiste pas au charme du comédien et accepte rapidement de devenir sa femme. CST en lui rendant visite sur le tournage de Rien que pour vos yeux que Pierce Brosnan tape dans l'œil d'Albert Cubby Broccoli qui voit en lui le successeur de Roger Moore dans la peau de 007. Quand ce dernier quitte la franchise en 1986, Pierce Brosnan n'est pas disponible. CST Timothy Dalton qui enfile alors le costume du célèbre espion jusqu'au 7 juin 1994, date à laquelle Brosnan est officiellement désigné comme cinquième acteur à jouer James Bond. Décès de Cassandra Harris, la première femme de Pierce Brosnan des suites d'une longue maladie, une consécration pour le comédien qui vient de traverser une terrible épreuve. En 1991, sa femme Cassandra Harris décède des suites d'un cancer de l'ovaire, disparaît après 11 ans de combat. Une douloureuse épreuve pour l'acteur qui devient veuf alors qu'il est en pleine ascension dans sa carrière. La maman de 43 ans laisse derrière elle trois enfants dont deux de sa précédente union avec Dermot Harris que Pierce Brosnan a légalement adopté après la mort de leur père biologique, en 1986. Qui est la seconde épouse de Pierce Brosnan? Heureusement, quelque temps après la disparition de sa première femme, Pierce Brosnan va retrouver l'amour avec une journaliste américaine, Killisha Smith. Killisha Smith et Pierce Brosnan se rencontrent au milieu des années 90 et se marient en 2001. Killisha Smith lui a appris à faire son deuil, et CST aujourd'hui un homme heureux et épanoui qui vit à ses côtés. Le couple forme un duo solide et amoureux, sa femme est son soutien indéfectible, elle a cette force sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Je suis faible quand elle me regarde, déclarait Pierce Brosnan à son sujet en 2017 au journal The Independent. Charlotte, Paris, Dylan Nation, Pierce Brosnan à la tête d'une petite tribu qui Killisha Smith s'est fait connaître en devenant correspondante sur l'émission de primetime de la chaîne NBC Unsolved Mysteries entre 1994 et 1997, ainsi que correspondante sur les questions environnementales pour la chaîne ABC, sur les émissions The Home Show et Good Morning America. En marge de sa carrière de journaliste et présentatrice, Killisha Smith a également tourné pendant une saison dans la série General Hospital en 1990, interprétant le rôle de Valerie Freeman. Le couple a deux enfants, Barry Beckett et Dylan Thomas, âgés respectivement de 18 et 22 ans. De son côté, le comédien a un fils, Sean, 35 ans, né de son couple avec Cassandra Harris. Ensemble, ils avaient également une fille, Charlotte, décédée en 2013 d'un cancer de l'ovaire, comme sa mère. Un tragique coup du sort, dont l'acteur de 65 ans a su se relever grâce à l'amour de Killisha Smith. À l'occasion de leur 17e anniversaire de mariage, en 2018, Pierce Brosnan l'avait remercié dans une publication émouvante sur Instagram, « Merci pour l'amour que tu m'as donné ces 25 dernières années, ma chérie. » À lire aussi, Pierce Brosnan rend hommage à sa fille Charlotte, décédée il y a 7 ans, photo. I think